Et je me suis pas payé Cadmerati, c'était la question. Je n'en ai pas les moyens de manière. Donc, nous sommes ici pour parler de Carmen. Carmen, quand même, c'est le sang. C'est le sang, frère. Eh, le sang sera jamais de l'eau, comme on dit chez nous. Elle a des frères et sœurs, un peu, Carmen, ou c'est une enfant unique Franchement, je dis franchement, je sais même pas si elle a beaucoup de frères ou sœurs, frère. Il n'y a pas que des parents chelous, hein. Il y en a, mais bon. Bah, on a été prendre le pire du pire en même temps. Ça raconte que l'époque dans laquelle on vit est un peu catastrophique de tout point de vue et que c'est nous, parents, qui avons la responsabilité envers les enfants d'en faire des gens bien pour que le monde soit un peu mieux. Quand tu mets ton regard sur les nouveaux parents, tu dis waouh, je sais pas à quoi vont ressembler nos enfants. Ça va? Il y avait la montée là. Ouais, heureusement, j'ai derrière. Excusez-moi. Faut plus qu'elle mange de viande. Parce qu'elle a mangé de la viande là, faut plus qu'elle la mange. Dans tout ce que je fais, mes enfants sont là. C'est la chance de mon métier, donc même si elles passent en dessous, en passante, elles seront là dans tout ce que je fais. Elles aiment bien jouer. Comme elles sont petites, et bah, on en profite, quoi, on joue ensemble. Ça le devient, parce que quand c'est vrai que s'il y a une télé-réalité qui te filme, tu passes quand même pour une, pas une serpillière, mais pour quelqu'un qui perd, quoi. Et je perds tout le temps, parce que la dernière, c'est le diable, quoi. J'ai des fois, mais j'ai même pas de répartie, c'est les fameux trucs, ouais. Fais un truc et tout, oh, bah, arrête! Et tu cries à la fin, c'est horrible. Je découvre des tonalités parce qu'elles m'épuisent. Oh, t'as un putain d'album à me rendre! Ta Jimmy Trois-Rivières, ça vient de Jimmy, parce que c'est un nom qui sonne bien. Et Trois-Rivières, en référence à Orome Trois-Rivières. Ouais. Parce que le personnage est à 90% du temps bourré. Sous mes airs de hip-hop, je suis quand même fan de rock'n'roll. J'aime bien le côté. Le côté cracra, le côté vrai. Enfin, tout ce qu'on voit dans Jimmy Trois-Rivières, c'est une sorte de fantasme un peu. C'est quoi cette merde là? Le rapport qu'on avait dans ce sketch était assez franc du collier. Non, c'était surtout le côté rock'n'roll, moi, qui me plaisait là-dedans. FKAD, il était un peu rock'n'roll. Après, CAD, le fait qu'il soit là, bah, c'est la rencontre de la vie. Hein. Son rôle est totalement justifié. Je me suis pas payé CAD Merati, c'était la question. Je n'en ai pas les moyens de manière. Non, quand je dis dernier, c'est que j'ai toujours pensé trois. Après, de faire des choses sur scène, mais différemment. Mais je quitte pas la scène, hein, loin de là. Mais là, je me dis dans ma tête, dis-toi que c'est le dernier. Dis-toi que c'est le dernier et que là, tu rentres sur scène à poil. Façon de parler. Hein. Vincent Dedienne l'a fait physiquement déjà, moi. Après, sait-on jamais. Hein.